Je suis aujourd'hui au Festival d'été de Québec et j'ai eu le plaisir de m'entretenir avec Lisa Leblanc. Pour ce soir, à quoi est-ce qu'on peut s'attendre? En fait, le show du jazz, est comme on a les mêmes guests. Fait que c'est comme un peu dans le genre du même show. Version 2 du show au jazz. C'était fou, c'était tellement le fun. J'ai comme des special guests qui s'appellent Quartum. C'est un quatuor de vocal classique. Puis on s'est rencontrés. Oui, non, c'est ça. Pour vrai, c'est quand même un méchant clash, mais ça marche. Parler un peu de ton album. T'as un EP qui est sorti en anglais. Oui. Tu parlais un peu de l'écriture qui est comme venue naturellement pour toi. C'était pas, évidemment, t'es bilingue, c'est super facile. Est-ce qu'il y a une langue qui s'associe un peu mieux à un style de musique? Est-ce qu'en écrivant en anglais, tu t'es dit « Ah, ça va plus dans le folk ou ça va plus dans le country » ou c'était comme la même chose? Pas nécessairement. On dirait que c'est comme ça vient... On dirait que musicalement, ça reste un peu dans la même branche, je trouve. C'est vraiment plus comme dans les mélodies puis comme les... C'est deux langues complètement différentes, on s'entend, fait que c'est vraiment le fun, tu peux vraiment aller t'amuser dans les deux. C'est sûr que ça apporte d'autres choses, mais on dirait que je me suis pas trop rendu compte. C'était un peu comme j'étais rendue là à ce moment-là, fait qu'on dirait que les tunes en anglais, ben c'est comme, je sais pas, 3 ans plus tard du premier album qui est sorti. Okay. Est-ce que c'était planifié d'être aussi occupé que ça? Est-ce que t'es contente d'avoir une été aussi occupée? Ah, yeah. Non, moi je capote. On a une trentaine de shows cet été. Mm-hmm. C'est comme parfait. Ça a l'air pire que ça l'est, ouais. Je pense. Ouais? Fait, okay. Ouais. Ouais. Non, pour vrai, c'est comme... ça a l'air pire que ça l'est parce qu'on a quand même de l'espace, hein, des shows. Puis tu sais, on n'est pas parti, on fait pas 60 shows... le Canada en entier, avec 10 heures de route chaque jour. On a quand même, tu sais, on fait des shows ici, puis là, on se promène en Europe, puis là, on s'en va un peu dans l'Ouest, mais tu sais, c'est quand même vraiment juste une fun tournée, dans le fond. Fait que, ouais, c'est quand même cool. On va être une belle gang. La première fois à la période, c'est notre première fois ici, fait que je suis vraiment excitée de voir la place. Ouais. Écoute, je te remercie beaucoup. Je te souhaite un super beau show ce soir. Merci bien, gros.